Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo de Mass Effect. Donc entre cette vidéo-ci et l'autre vidéo, j'ai fait des quêtes annexes. Donc je vous ai épargné parce qu'en gros c'était t'atterris sur une planète avec le Mako, tu tues tout ce qu'il y a, tu récupères les documents, blablabla. Donc je vais regarder le journal. Donc là je crois qu'on a le choix, donc j'en ai débloqué, mais j'en ai même pas encore. J'en ai fait quelques-unes. Les Terra Incognita, surtout, c'était ça. Donc là, on va continuer les missions normales. Donc on peut aller sur Féros ou sur Noveria. Bah nous, on va aller sur Féros. Donc bien sûr, mes persos ont gagné des niveaux. Et tout. C'est un petit peu fort pour moi. Parce que sinon vous allez avoir un écho. Parce que le son ne va pas dans mon casque en fait. Hein. Je prends juste le casque, c'est juste pour le jeter micro. Alors, nous devons aller sur Féros. Bah, tant qu'on y est, on va aller sur Hercule d'abord. Parce qu'en fait, beaucoup des quêtes annexes, c'est simplement récupérer des objets en rapport avec les races des aliens, en fait. Genre, récupérer autant... Réception d'un message, ah bah... je transfère. Normandie, ici PC Alliance. Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les aliens. Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer... Bon, on va vite faire celle-là, alors. Donc zoom arrière. S'il y a juste zoom arrière, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Bien souvent, s'il y a alors analyser, c'est juste voilà. Donc là, on récupère juste le médaillon. Donc le médaillon de la Lunique, c'est pour les Galariens. Et les tiennes. Et bien souvent, s'il y a une voilà, s'il y a une photo, ça veut dire qu'on peut atterrir dessus. Ah bah, c'est quoi, on va aller vite récupérer le je ne sais même plus quoi que les Gates cherchent. Ah oui, une sonde. Les Gates recherchent une sonde. Les coquinous. Donc voilà, en gros, les quêtes annexes, c'est toujours des trucs comme ça. Hein. On vous demande d'aller chercher ou de tuer un truc bien spécifique sur une planète. Vous y allez en Mako, blabla. Comme ça, je vous en fais quand même une petite avec vous, parce que j'en ai fait quand même quelques-unes. Donc une fois que vous êtes sur la planète, hop, carte. Bien souvent, voilà, il y a trois éléments. Donc l'anomalie, la sonde abattue. Voilà, on va aller voir la sonde abattue, donc c'est par là-bas. Alors ouais, les décors ça va, mais là on sent que sur les planètes, ils étaient là en mode bon, faire des planètes, mais on n'a pas grand chose à mettre dessus. On va faire des grandes plaines. Et de loin, c'est pas hyper beau, hein. Regardez, vous voyez clairement la même texture qui a été copié-collé plein de fois. Alors, normalement il y a un zoom, voilà, ici, sur le coco, qui va être bien pratique. La sonde est en haut de cette petite colline. Vous voyez, regardez comme ça, c'est je regarde ma carte. Alors si je ne mets pas de... Wow. La sonde est là. C'est quoi ces trucs? Le drone de surveillance. Mais où est le module de données? Tant pis. Une créature simique semble s'être échappée avec le module de données. Ça va compliquer les choses. C'est bien que ça allait pas être aussi facile. Ah, par contre, j'ai vu là-bas qu'il y avait un gisement. Donc sur votre carte, c'est les, voilà, les, une espèce de trois petits points. Eux, par contre, ils sont pas sur la... Ils sont pas sur la carte. Oh, génial. C'est quoi ça? Colonie de singes. Oh, putain, on va voir. J'ai quitté toutes les colonies de singes. Et pareil, ça c'est aussi c'est une quête annexe de trouver tous les gisements de métaux, de gaz, blablabla. Donc c'est bien, hein. On fait un peu notre américain. On trouve une planète. Et bon, ça va. C'est bon, on y va parce qu'il y a des gisements à exploiter. Donc là, un gisement d'or. Donc on analyse le minerai, hein. On va laisser des bails. Ah, merde. Voilà. Voilà, on a utilisé un grand gisement d'or, voilà, hop, plein de sous. Je vous suis, Shepard.
Voilà, il y a une colonie de singes un peu en bas, je crois. Allez, on tourne un peu. Voilà, c'est laborieux ce Mako. Ah, il tourne. On voit que j'ai pas mon permis. Oui, je n'ai pas mon permis. Dans la bonne direction. Hein. Oui. Alors bien sûr, avec le bol que j'ai, ça va être la dernière colonie de singes hein, qui va être la bonne. Il faut faire tous les singes. Ça, je n'ai pas le module. Ça, je n'ai pas le module. Et voilà. Ça, c'est bien, au moins après, on voit que. Donc, espèce de petit singe chelou. Ne vous inquiétez pas, je vais pas leur tirer dessus, c'est juste. On peut mieux voir leur tête. Okay. Spécial. Hein. Bon, c'est pas dans cette colonie là. Oui, je suis un spectre de l'armée de l'Alliance et je suis en train de checker à propos de singes voleurs de son. Alors, donc ce n'est pas ce. Je veux pas aller là, je veux aller là. Donc ce n'est pas celui-là. La sonde abattue était là. Bon, on va aller tout en nord. Donc le nord, bien sûr, sur la carte, c'est la petite flèche. Il n'y a pas de boost. Ah, voilà, je n'ai pas trouvé la touche, mais il me semble pas qu'il y a un boost. On a un petit jeu. La chance, c'est qu'il ne s'enlève pas de la carte sur Google Meet. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des cadavres de singes autour de la sonde. Ça me paraît bizarre. A mon avis, il y a de grandes chances qu'on rencontre des guettes à la fin. Pardon. Et ma manie de renifler la ranache là. Espérons que. Voilà, ici. Bonjour, est-ce que vous avez vu une sonde? Ça, je n'ai pas le module. 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 Voilà. Bon. C'est fait. Donc, bien sûr, vous allez voir, ça va être le dernier. Hein. Et le prochain, bah, on vient en arrière et on traverse. Palpitant. Hein. On recherche Abou dans la planète. À la limite, je préfère encore les quêtes où tu te bastonnes un peu. Parce que là, ça, c'est vraiment juste perdre du temps. Qu'est-ce que vous faites, Shepard? Vous êtes devenu fou? Oh oui. Voilà, on arrive. Les débris, et trois quarts du temps, j'ai pas pris une classe qui manie l'électronique assez bien, donc on va pas récupérer les débris, et trois quarts du temps. Votre décryptage est insuffisant. On va aller là-bas. On va apparaître sur mon plan. Là, ils ont pas peur les singes, hein. Ils voient un gars débouler en 4x4 comme un chocolat, voilà, comme un bourrin. Ça, j'ai pas de module, ça, j'ai pas de module, ça, j'ai pas de module. Le singe n'a pas le module, non. Alors, c'est fait exprès qu'il y ait personne de l'île, je sais pas.
tranquille. Bon, ben voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être... Non, c'est fait exprès que ça soit le dernier. Genre, t'es obligé de les faire. Oh, pardon, excusez-moi. Joli. Merde. Il ne pouvait pas y couper. Merde, j'ai eu Merde, j'en ai écrasé un, du coup, j'ai eu pragmatisme. Merde. Désolé. Ah, merde. Je savais pas que ça allait faire quelque chose. Ah, y'a un truc là-bas. Ah, à mon avis, là, y'a des bons monstres. Minute en chargement. Là, j'ai l'impression qu'il y a des... Pardon, les singes. Attends, en fait, tu peux monter ton pragmatisme à mort si tu les renverses tous. Il a sorti son arme. Il me fait danger niveau 1. Qu'est-ce qu'il me parle de danger lui? On va aller voir là-dedans. C'est dans la mine. Est-ce que c'est bien toujours la même quête? Ah bah oui. J'ai dû faire aussi du... Le moment où je suis arrivé, hein. Faut qu'il y ait encore des singes dans la mine, en fait. Ce sont les combats, ça. Ça paraît bizarre cette salle avec tous ces trucs pour se cacher, pour se faire exploser. Pas de musique. Et tout ça, c'est des trucs à faire exploser. Je sens que ça va être en revenant que je vais avoir du monde. Ça devient un labyrinthe, cette histoire. Il a laissé tomber le module. Le module a l'air intact. Joker va pouvoir transmettre ses données au PC de l'Alliance. Ouais, c'est cool. Et maintenant... Ça va être de sortie. On se casse, c'est bon. Ah non, non, moi j'ai pas envie de tout recommencer. Putain, mais les guets qui me foncent dessus laissent tomber quoi. Bon, alors on va aller sur Féroce. Oui, oui, je suis un lâche, oui, clairement. Vous pouvez le dire dans les commentaires, je suis un gros lâche. Je dis juste qu'on a perdu du temps pour rien. Allez, bon, allons sur Féroce.
Oui. Logan, comme le film. Oui, je sais bien que c'est pas les bonnes planètes. Mais... tant que j'y suis, je vais scanner les planètes qui sont aux alentours. Disque de données protéines. Du métal léger. Et de ballon surférence. Atterrir. Pardon. Je vous rassure, je suis meilleur à Mass Effect 2 que Mass Effect 1. Ça ne semblait pas qu'il m'avait... Celui-là, il a l'air plus dur que le... deux, j'ai l'impression. Alors que je suis en quoi, tiens, d'ailleurs, je suis en normal. Oh, je me mettrais bien en simple juste pour oui, vous savez quoi, je suis un homme faible. On est quand même là pour l'histoire. Ce serait un peu con qu'on galère un peu. Donc voilà, je suis faible, j'ai mis en simple, voilà. Bon ben, non, par là. De l'autre côté, justement. Robert. Robert Shepard. Quittons le Normandie. On va un peu changer. Non. Non, j'aime bien jouer avec ces vacariens. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Ok. Mon Dieu, mais c'est David Altalakani. Nous avons vu votre vaisseau. Faidan veut vous parler immédiatement. Qui est Faidan ? Qui est Faidan ? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des guettes. D'accord. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Wow. Il me rapporte plus d'XP aussi. Bon, quand il y a brouillage, ça veut dire qu'il y en a encore dans le coin, mais bon, c'est pas aussi. Ah oui, c'est les salopards qui. Les collants, ils ont l'air tout. Descends dans les tunnels. Assure-toi que personne ne passe par là. Mais... et si... les guettes sont de vraies machines à tuer. Prépare. Je suis bien content de voir des... Si on ne meurt pas de soif avant, les guettes finiront par tous nous tuer. Je vois qu'ils sont un peu dans la mouise, hein, on dirait. Vous croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans tous les sens? Oh là là. Oh, Kaira. Les guettes vont tous nous tuer.
Ambiance ici. Les Geth préparent une nouvelle attaque. Non, c'est phrase bateau, quoi. On va tous mourir. Les Aquarius se défendent. On a livré plusieurs mois de rations humaines dans un monde inexploré du secteur Voyager. Les rations ne sont pas très claires. Quête annexe. La quête annexe nous dit qu'on a livré beaucoup de bouffe à un endroit alors qu'il n'y a censé y avoir personne. Bonjour, étranger. Ça fait plaisir. Repose-toi, ma chérie. Mais ils doivent savoir que... Oui, tu as raison. Vous avez besoin d'aide ? Je... vais bien, merci. Elle n'a pas l'air blessée. Je vous en prie, elle a besoin de repos. Laissez-la dormir. Ça rattrape mon... un peu mon écrasage de... de singe. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas ? Oh, Arcelia. Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention ! Il y a des guettes dans la tour ! Protégez le cœur de la colonie. Protégez le cœur de la colonie. C'est plus facile. Pitié, pitié, je ne veux pas mourir. Ils sont massacrés. J'ai cru qu'il y en avait un ici. Le spectre au max, soldat choc, augmenté hein ça. Les scouts, si j'ai formation d'assaut, les dégâts normaux. Voilà, on augmente notre force, les autres, on les augmente bien pour moi. XP 800. Ah oui, mais c'est le. Voilà. C'est l'event. Parce qu'on a rien, putain, 800 pour avoir tué un gars. Nous devrions peut-être mettre Faidan au courant de la situation avant de nous rendre à la base des guettes. C'est notre seul contact, un tant soit peu officiel. Ok, Garrus. On va dire à Faidan qu'on leur a sauvé la life. Okay. Bon, vous voulez pas ça, moi ? Voilà, Faidan, on a sauvé vos miches. Je vais dire merci. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Où ce ton ? Je vous ai fait quelque chose ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas ? J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Écoute, en gueule, le seul vous auriez dû vient, nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les guettes, je parie. Oui. Parlez-moi de Zeus Hope. J'ai pas grand chose à dire. Vous plutôt en parler à Faidan. Bon, t'as l'air chiant, toi. Commandant. Comment, Faidan ? La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Tout le plaisir pour moi. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien et de votre aide. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les Personne ne sait ce qu'ils veulent. Leur base se trouve dans le complexe exogène. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. Et comment je fais ? Il faudrait que j'arrête. Je suis désolé, je passe ces dialogues alors que c'est certain que c'est la première fois. Vous ne pouvez pas le rater.
Non, c'est surtout l'armée de Geth entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Dans ce cas, allons-y. Bonne chance, commandant. Ah non, c'est vrai, je peux demander pour les... La colonie est plus résistante qu'elle en... Commandant, que puis-je faire pour vous? Les réparations. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre... Être débarrassé. Arcelia a raison. Il reste des Geth dans les tunnels. Sans compter les... Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour... Je peux faire quelque chose. Macha Doyle essaie de régler le problème. En gros, allez plutôt voir May O'Connell. David Reynolds est chargé de pourvoir... De Geth dans les nous... tunnels. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous aiderait à... Je reviendrai. Bonne chance, commandant. Ça. Normandie, ascenseur, escalier vers les tunnels. Alors on va voir les autres, normalement qui vont nous parler de ça. Est-ce que je ne trouve pas. Donc c'est voilà, pas très belle cette planète. Ce que vous allez voir, vous avez beaucoup du gris et un peu de gris. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Je suis... Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les Geth attaquent. Qu'est-ce que vous faites? Non. Enfin, si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je me remette, d'ailleurs. Faiden m'a demandé un rapport sur... Bon, je dois y aller. Dites-moi un peu plus et je... Non, merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aide. Je dois terminer ce travail. Ok. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que j'ai est à votre envoi. Oui. Au revoir et bonne chance. Bon, bah, c'est vous qui avez repoussé. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts. Il doit bien y avoir oui, quelque chose. Il faudrait ajouter... Surtout à cause du mal. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. Je préfère que vous vous occupiez des Geth. Avoir le... Au revoir, commandant. Bon, bah allez, hein. On va aller faire ça. Commandant, que puis-je faire pour vous? Certains colons se comportent bizarrement. Nous sommes une petite communauté, commandant. Nous ne sommes pas des soldats. Cette colonie est notre foyer. Les Geth viennent de détruire tous nos biens les plus chers. Je reviendrai quand j'en serai. Bonne chance, commandant. Est-ce que l'ascenseur est toujours... L'autoroute. On va d'abord faire l'autre là, l'escalier vers les tunnels. Ça c'est une quête annexe à la planète. Hein. Oh mon dieu, ils sont partout. Je trouve qu'on les défonce un peu trop vite, du coup, mais bon. Je ne veux voir qu'une seule tête en formation. On va se fermer. Là où il y a des gars en rouge. On dirait que cette valve fait partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres à activer. Que dalle. Va falloir qu'on continue à chercher. Que dalle.
Ah, c'est là où étaient les autres. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Deux valves activées, ils me disent. Ticker, bien légère, tu rien. Hop là, Michel, tout le monde est content. Bon bah, je vais prendre l'ascenseur vers l'autoroute. Petite foulée, Shepard, petite foulée. Combien de temps je vais pouvoir tenir? Ah voilà. Ah t'avais un drone, tu vas te calmer mon petit. Ah Mako, c'est parce qu'il était là. On balance leur petite comité d'accueil. Le dernier groupe est parti vers le sud. Que cherche-t-il? Je capte un signal. Le brouillage des guettes m'empêche de le localiser. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un par ici. Toujours le même signal, commandant. Pas moyen de le localiser. Vous voyez quelque chose? Lisbeth est peut-être toujours là-dedans. Ça ne fait que quelques jours. Non, soit des... C'est ma fille. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il me le faudra. Je vais encore réussir à tomber en mode où je suis. Donc, c'est possible. Est-ce qu'il y a des ennemis encore? Mais je les vois pas. Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir. Il conduit très mal. Oubliez-les. Nous, on doit trouver les guettes. Exogénie, c'est la société qui a implanté la colonie. Stop! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Reculez. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens vous aider. Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Mais non. Faidan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie, mais les guettes les ont mis dans un sale état. Oui, ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus? Comment ça? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe Exogénie, un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu.
Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Quelle est la fonction du complexe? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'Exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Féro, c'est loin de donner satisfaction. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Ils ont pulvérisé des... J'espère que vous allez nous sortir de ce foutoir. Non. Oui, je devrais peut-être leur demander de l'aide. Vous auriez deux minutes à m'accorder? J'ai un petit problème dont j'aimerais... Qu'est-ce que vous voulez? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Okay. Ça m'a l'air un peu trop facile. Où est le piège? Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux pour moi, mais pas pour vous. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi les gens pensent qu'on aime les situations dangereuses? Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez? C'est tout simple. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Je vais devoir... N'oubliez pas notre petit marché. Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Et on fonce. Ah, hop, on continue. Oh là là, je suis vraiment mauvais quoi. Les vieux, t'as eu ton permis dans un paquet de viande. Là, des fois, et des fois, et en plus ce truc réagit, mais trop... Silence radio. Les guettes en approche. Silence radio, bordel de merde. J'ai l'impression qu'il y en a... là en dessous. Partout. Ça pour un conteneur. Et je vois au niveau. Tu vois pas mieux par contre de ce que j'ai rechambrage. Les gars c'est intéressant. Polonium. Le gars toxique j'aime bien, je vais garder ça. Shredder 4. Je peux mieux que Shredder 4. Régirus. Survivant 3.
Ah, Rex. Ouais. C'est pas la folie, hein. Petit voyage sur l'autoroute. J'ai envie de revenir. Oh, okay. Voilà. Et là, nous sommes bloqués. Ils n'ont pas traîné pour s'installer. Qu'est-ce qu'il mijote? Ça n'a pas de sens. À moins qu'il cherche quelque chose. On a déjà tué pas mal juste avec le Mako. On est bloqué. On ne peut rien contre ce champ d'énergie. Là c'est rouge, et quand c'est rouge je peux pas passer, monsieur. C'est le jeu qui me l'a dit. Ah mais on peut le décrypter. On va monter formation d'assaut. Je vais apprendre un peu les fils d'assaut. En fait, je deviens vraiment un putain de temps quand t'as la fin de la santé à plein. C'est tout. Là, je fais quoi maintenant? Je suis bloqué. Je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? La valve, il m'en reste une de valve. Ah non, compris que c'est logique. Ah
toute ma saille. Apparemment, c'est à sens unique, commandant. Ah, voilà, c'est pas grave. Moi, s'il ne me trompe pas, il y a le Varenne mal. Voilà. Bon sang! Bon sang! Hey! J'ai reconnu à ta voix que tu étais Lisbeth Bayman. Des varennes. C'est vrai qu'on se... Voilà, autant... autant Rex peut ressembler à un Varenne. Nous, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Calme-toi, jeune folle. Et qu'est-ce que vous faites ici? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Bravo. Et puis le vaisseau Get s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. Mais ne t'en fais on pas. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les Get. Le problème, ce ne sont pas les Get, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les guettes que je suis ici. Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont là pour le Taurien. Le Taurien? C'est quoi un Taurien? Sa mère. Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous savez où il se trouve? Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces guettes qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau Get. J'ai vu les Get poser des câbles d'alimentation. Éloignez les câbles. Vous pourriez suivre ces câbles. Mais les Get sont partout. Dites-moi tout ce que vous savez sur le Taurien. Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale. Mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est ancien, très ancien. Plusieurs milliers d'années. Ne bougez pas, je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge. Bonne chance. Au fait, ta mère te cherche, hein. Ça. Bien le. Mais les gars. Ah, quand même. Elle était là, tu sais. Non, moi je suis tranquille, moi. Ben, vous êtes là, donc. Déchetterie. On a vu, c'est par là. Saloperie de machine. Demande d'accès fichier crypté. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin! Dis-moi ce que je veux savoir! Sinon, je te fais griller les circuits! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. Voilà. Voilà ce qui reste du Krogan. Exogénie Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte complexe est strictement interdite. C'est l'airsoft. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous? Quelle information le dernier utilisateur voulait-il obtenir? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le Taurien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37.
Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hope sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hope et le Taurien ? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hope. Je veux tout savoir sur le Taurien. Le Taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qu'il dissémine provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zeus Hope a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Ils ont fait une colonie juste pour tester leur truc. Vous devriez prévenir Joker. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Il faut désactiver ce champ et retourner à l'avant-poste. Sans blague. IV, je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Get. Mes données sur les Get sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Il faut trouver ce vaisseau. Préparation à la mise en veille. Piou. On vient là. Servira à accrocher le vaisseau à un bâtiment. Les guettes se moquent des atterrissages en douceur. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau ? Il nous faudrait un moyen de le bouger. Vérifions les autres griffes. Il y a forcément une faille quelque part. Non, vous réfléchissez, moi je vais décrypter ce truc-là. Nouveau trop de trucs. Alors, équipement. Il a réussi, il y a une armure. Tu peux pas porter les armures. Moi, c'est surtout les modules. Ouais, c'est ça, moi, c'est plus ces trucs-là, mon quoi. J'ai mis 40 000. Allez, on va passer un petit peu de temps à en enlever. Tout ce qui est 3, j'enlève. C'est un peu long et un peu chiant, je sais bien, mais c'est... sinon après, moi je suis coincé. Quand je reçois du loot, comme je vous ai dit, hein, on reçoit blindé de loot. De trop. On aura déjà enlevé ça, c'est bien. Orbe luisant. C'est presque serein ici. Vous croyez que les guettes utilisaient cette pièce comme un genre de temple ? Ouais, bref. Je suis pas là pour faire de l'anthropologie. Chérie, ouais. Mon dieu, un sniper. Là, je l'ai eu en plein saut là. Là je suis coincé, là je sais pas où c'est. Là il est quoi. Là ça me coûte. Je dois aller là où ça descend. J'ai l'impression que la suite c'est par là. Ok. Là, c'est un vrai petit labyrinthe ici. Ah, désolé.
step, step, fini ça. C'est peut-être ça que le gars il veut. Sujet de test devait être là depuis 3 jours. Nous sommes enlevés de la colonie de transporteurs. Par crainte d'une libération des sujets, nous recommandons de couper du contact avec Node à Crux. Même si cette colonie était découverte, personne ne pourrait monter jusqu'à nous. Cette griffe est identique à la précédente. Continuons. Une sorte de laboratoire, commandant. J'aurais préféré une armurerie, mais l'essentiel, c'est de détruire une griffe pour faire dégager le vaisseau. Bonjour la personne du docteur Gamor. La méfie de Cerberus, c'est vrai qu'il nous plaît bien, mais ça dérape en prenant un antidote. Mais si ça dérape, nous mesurons quand même leur serve ces prélèvements pour les volets qui soient livrés dans le système Matano, mais juste une autre. Et dans une quête. Ah putain, il faut que je fasse pile. Ah putain ouais, t'enlèves une patte, c'est fini. Formidable, commandant. Les champs de force sont désactivés. Allons régler son compte au Taurien. Une bonne petite fête d'ultra-violence. J'adore. Ne criez pas victoire trop tôt. Il doit rester quelques... Répondez, commando. Ici, Normandie. Joker ? C'est vous, Joker ? Qu'est-ce qui se passe ? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens... Cet endroit va grouiller de guettes d'ici quelques minutes. Supérieur. Encore de la vie. Et il a carnage. Alors là. Encore du loot. Ah, j'ai une nouvelle armure. Un peu plus de bouclier, un peu moins de résistance. Ça ressemble à quoi? Ah, mais je peux même moins de mode dessus. Et où c'est que j'avais? Ah voilà.
Effectivement, celle que j'ai est très bien. Du coup, j'avais pris le bon chemin dès le début, en fait. Ça c'était fermé ici. Moi je vais d'abord aller par en haut puisque c'était là que je voulais aller aussi. Ah bah la console que le gars avait besoin. De mes trucs, on va de nouveau faire un petit tout ce qui est jusqu'à 3 janvier. Cette vidéo va durer 3 ans. De l'omnigel, je ne peux plus savoir quoi en foutre. En plus, mon pistolet n'est même pas équipé. Voilà, comme ça j'ai un peu de... grand-chose. Bon ben voilà, on a les données que Claude Gay nous avait demandé, les valves d'eau, je pense que j'en ai pas oublié une. Enfin j'en ai oublié une, je sais pas ce que c'était. Vous voilà. Ah ben. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche, vous ne nous avez pas dit... J'étais terrifiée, j'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message par la direction. Je voulais leur dire où trouver le Taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Allez, je te crois. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le Taurien. Allez, c'est bien, on s'en fout. En dessous de Zushop, les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Ah, c'est ça que mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans? Pourquoi Saren s'intéresse-t-il au Taurien? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions. Il se dirige vers vous, on dirait. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Réparer le mal que j'ai fait. Sniff, sniff, ouais, ouais. Donc, on va... on va retourner au... au Mako et on va retourner à la... Allez. À la colonie, hein, vu que le Taurien est juste en dessous. Il y a un comité d'accueil qui m'attend de l'autre côté.
merci. Aléatoire. C'est parce qu'il y en a un là. T'es eu. On va les arrêter, hein, on gueule pas comme ça. Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approche pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth. Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Hein? Vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce qui s'est passé sur Akuzé. Inutile de le réitérer ici. Ne vous énervez pas, on va discuter de tout ça calmement. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas aussi simple! Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong. Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines. Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez parler de la seule ressource exploitable de Féroce, le Thorien. Le quoi? C'est une créature télépathe qui vit sous Ushope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Putain, chier. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Putain, j'ai pas assez de consilience. Ça, ça m'énerve. Vous allez trop loin. Très bien, vous l'aurez voulu. De toute façon, c'est un enfoiré. Ouais, ceci. Comme si les guettes et le Thorien ne suffisaient pas, il faut encore... C'est ma faute. J'étais pas au de ça avec moi, jeune fille. Et maintenant, commandant? Dès que j'en aurai fini avec le Thorien, je reviens. Les colons ne vous laisseront pas approcher du Thorien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai pas. Il ne doit bien y avoir un autre. Et là, on va nous filer des espèces de grenades. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Pour les down. Une grenade incapacitante, par exemple. Balancer du gaz neurotoxique un peu partout. Mais vous inquiétez pas. L'insecticide que nous utilisons en laboratoire compte sur un système nerveux affaibli. Ce produit aurait... Si vraiment on doit en passer par là, on pourrait modifier nos grenades étourdissantes. C'est une bonne idée. Formidable. Merci. C'est sur les neufs, hein. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez dégagé un chemin. Bonne chance. Oh, ça m'énerve. J'aime pas... Déjà de retour? Vous avez retrouvé ma console? Ouais. J'ai retrouvé les données et je Formidable. Merci pour tout. J'étais dans les parages. En tout cas, je vous... Merci encore, commandant. Bim. Bon. Moi j'aime pas quand j'ai pas accès au... Pourtant allez quoi, merde. Non, je suis pas si haut que ça. Hein. Je suis quand même deux fois plus que de pragmatisme quoi. Mais... Toujours pas assez. J'aurais... En fait c'est parce que pourquoi j'aurais dû sur l'astéroïde laisser partir le... l'alien quoi, pas le tuer.
Et du coup, j'aurais gagné 25 en conciliation. Là, j'ai gagné 25 en pragmatisme. Il y a déjà des zombies dégueulasses. C'est pas les mêmes zombies qu'on a déjà eu. Hein. Ceux-là, on peut pas les sauver. Donc on pouvait les tuer sans... C'était quoi ce monstre? Ça n'avait rien d'humain en tout cas. Interdiction de blesser les colons, même si le Taurien les force... Bien compris, commandant. Allons-y. Et c'est ce que l'on vit. J'ai pas changé. Fallait que je change. Voilà, gaz anti-taurien. Merde. Faut que je le change sur là-dessus. Désolé. Voilà. Voilà. Ah, le pauvre, y'en a un qui a volé. Y'en a un qui a pris pour tous les autres. Là. Quel bordel ici! Merde! Je pensais que c'était automatiquement changé en fait. T'inquiète pas, je vais te sauver! Bon, en fait, non! La valve pour l'eau que j'ai oublié de faire. Pam, pam, pam. Voilà. Je suis en train de faire une quête annexe en même temps. Et encore un petit peu de XP. Charme. On va augmenter un peu. Choc. Voilà. La dernière valve. Là, c'est bon. Ils ont de la flotte. La dernière valve a apparemment activé le système, commandant. Oui,
Oui, je sais, on est pressé, mais moi je dois remettre l'eau, hein. Bonjour, je suis Shepard, je suis plombier. Tu vois, le Varenne mal. Je vais tuer pour faire de la bouffe, mais c'est pas aussi grave. Arrivé, mais non. Qui est annexe, je crois. C'est vraiment le moment d'avoir ma souris. Allez, allez, on avance. Là, ça va être une grosse vidéo, je le sens. Et on n'est pas encore. On n'y est pas encore, hein. C'est pas encore fini. On ne sait rien faire. Les colons protègent le Borealis, commandant. Je crois qu'on devrait déplacer l'un de ces conteneurs. Ça tue les zombies aussi. Là, j'ai tué un colon, quoi.
essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non! Qu'est-ce que tu fais, Dan, les salauds? Bon, on y va. Ah, donc là, maintenant, normalement, c'est bon, il n'y a plus de colons à faire gaffe, maintenant, il n'y a plus que des zombies. D'ailleurs, j'aurais pu sortir mon... Bah non, je vais garder mon fusil d'assaut. Conciliation plus 30. Et pourquoi? Parce que j'en ai tué un. Putain. J'ai pas regardé, moi je vais regarder la commande. Ah ben voilà. Ça grimpe un peu, mais bon, ça aurait été pratique de l'avoir avant que je tue truc méchant machin. Parce qu'en plus, c'est un peu casquette parce que c'est plus t'as de conciliation, plus tu peux faire des réponses de conciliation, plus tu vas en gagner. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'est... Hentai! Ça, ce n'est pas dans le manuel d'entraînement. C'est une plante? Ça a pas l'air d'être une plante. Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. Chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Saren. Le Taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Saren, quelque chose dont j'ai besoin. Saren cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le Taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le plus important. Nazari. Aïe, elle m'a fait tomber. Tiens, niveau supérieur. On gagne des niveaux, à plus savoir comment faire. La soldat choc. Montée d'adrénaline. Un assassinat amélioré pour Garrus. Et là maintenant, un zombie à la pelle. Et donc, ça, je ne sais rien faire. Oh.
va tirer sur cette tourbillon nerveux. Je vois qu'elle fait ça, par contre elle va créer... Ça souffre. Elle est blessée, j'en suis sûr. Elle n'a pas l'air d'apprécier le traitement. Et on va retrouver un clone Asari un peu à chaque étage. Ouais, c'est chance, voilà, on peut pas les tuer tant qu'ils ont pas pop. Voilà, tellement. Alors bien sûr, tu vois qu'elle pop à l'endroit où, comme d'habitude, mais en fait non, pas du tout là. Un couloir finalement, hein, vous avancez. Tuez les zombies. On dirait vraiment des trucs. Putain, tu peux de nouveau. Tiens. Putain, lui il est Day One avec une shotgun. Et une armurerie. Un pistolet, fil à pompe. De l'XP, hein, c'est pas comme si on a gagné à tour de bras. On dévoile le bourbillon. Pareil, il va recréer de nouveau un clone. Heureusement que ça fait pas de dégâts quand tu les éclates près de toi, station médicale. Là, plein de clones. Très passionnant. Hein. Ça chauffe vachement vite. Le supérieur. Merci les gars. C'est vraiment trop fort.
C'est du physique, hein. Donc là, c'est que de la santé. Ça augmente que la vie. Excusez-moi, où j'ai... Putain, j'ai plus de vie que Rex. J'allais dire, il est où ton dernier ganglion, saloperie? Je vais te faire aimer la nature, là. De ma couille. Bon, voilà la vraie. Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Tu vas bien? Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Ça va. En tout cas, ça ira. Mais avec qui êtes-vous? Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme, auquel Benezia... C'est fait en bobinet. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée? Benezia avait sous-estimé sa reine, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Elle a essayé de manipuler sa reine, mais son plan s'est retourné contre elle. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. Mais c'est horrible. Bien fait pour vous. Sa reine ne semble pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le Taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné aux guettes de détruire toute trace de son existence. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma? Qu'est-ce que sa reine veut en faire? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges, qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen.
Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Je dois bouffer les encyclopédies. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés, et après leur mort, assimilés. Assez de conneries mystiques. Tu peux vraiment faire le gros bourrin. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. Mais j'ai 2 heures, moi. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. Il doit y avoir moyen. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Oh. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Faites le vide dans votre Laissez esprit. Votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion, imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité! Il y a 4 fromages. J'ai tout compris. Je connais le Kung Fu. Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Chef, tout va bien ? Que s'est-il passé ? Ça va aller, merci. Elle m'a bousillé le cerveau. J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux. La mémoire de tout un peuple. Tout un peuple, Shepard. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Il vaudrait mieux retourner au vaisseau, commandant. Vous devez vous faire examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Dites-moi plus sur le vaisseau de sa reine. Sauveraigne est indéfinissable. J'ignore comment il a été construit et d'où il vient. Mais je sais qu'il n'a été conçu par aucune des espèces connues. Les plus grands vaisseaux de l'Alliance et de la Citadelle font figure d'insectes à côté de lui. Ses armes sont dévastatrices et ses défenses impénétrables. Avec lui, sa reine ne craint rien ni personne. Contrôle les esprits. Et sa reine l'utilise pour manipuler ses serviteurs, c'est bien ça. Oui. Sauveraine dégage une étrange énergie. Le vaisseau vous attire de plus en plus, et les arguments de sa reine deviennent plus convaincants, presque irrésistibles. Au bout d'un certain temps, sous l'influence de Sauveraigne, vous vous égarez. Je ne trouve pas de meilleure analogie. Que vais-je faire de vous ? Vous êtes libéré du Taurien. Vous comptez faire quoi ? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi. Et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. On peut la tuer, hein, si on veut, si on fait le pragmatique, on peut la tuer. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi. Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féroce est redevenue une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Ça ne sera pas facile. Vous avez guéri la plupart des malades. Ça prendra du temps. Merci encore.
Ces données me seront très précieuses dès que je serai... Il est... J'espère qu'Exogénie a retenu la leçon. J'ai résisté, j'ai lutté. Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. Au revoir, Shira. Au revoir, commandant. Je parlais où il y a de la flotte. Ah, j'ai enfin les idées claires, et plus peur de douiller. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top? Pas comme Stade Booze, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose... Merci, commandant. C'est sympa. Je peux penser. Sans souffrir, j'ai appris à relativiser. L'eau n'est toujours pas rétablie. Il faut que j'y arrive. Si l'eau est rétablie... L'Inde. Je peux pas... J'ai appris à relativiser. L'eau est rétablie. L'eau n'est toujours pas rétablie. C'est bon. L'eau est rétablie. Vraiment? Il faut... Merci de votre aide, commandant. Bam, voici de quoi vous dédommager. Bon, ben on va se quitter ici alors. Je vais sans doute terminer les petites quêtes qu'on a sur cette planète et puis on va aller sur l'autre, hein, sur... comment elle s'appelle? Ah, j'ai encore un niveau. Putain, j'ai encore un niveau. Charme, je peux pas monter plus. Bon, ben... Dégâts, hein. Garus qui a pris... Charge de bouclier supérieur pour Rex. Et donc, ben on va sauvegarder ici. Et voilà, et donc on va... Du coup j'ai pas regardé ce qu'on allait après. Mission... Sur Noveria. On va aller sur Noveria. Ok, brièvement. Sur Matano, fouiller le centre. Nodacrux, ouais, c'était un truc. Les accumulateurs, viande de Varenne, localiser le mal-alpha. Ok, t'as mec. Allez les amis. Hop, plus dans le bûche.